Thank you.
n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le baptême d'un enfant est toujours une occasion de fête, de joie. Dans la pratique de l'Église, cela ramène à cette question que parfois des gens me demandent. Pourquoi est-ce qu'on fait baptiser des enfants et qu'on ne les laisse pas libres, quand ils seront adultes, de choisir de leur dénomination chrétienne? Et à cela, j'exprime une certaine réticence parce que je me dis, comment est-ce que nos enfants peuvent choisir à partir de quelque chose qu'ils ne connaissent pas? On ne peut choisir que lorsque l'on sait ce que l'on a devant nous. Si les enfants n'ont jamais été initiés à la chose religieuse, s'ils n'ont jamais été initiés à la religion, pour parler d'une manière générale, eh bien on ne peut pas choisir. Et à cela, ben c'est dommage. On ne peut choisir que lorsque l'on sait. Libre après aux enfants quand ils sont adultes, et d'ailleurs nous le voyons bien, lorsqu'ils donnent une direction qui est complètement contraire, et je comprends aussi les parents qui sont parfois découragés, déçus parce que voilà, les enfants ne veulent pas se marier à l'église, ou les enfants ne veulent pas baptiser leurs enfants, et qu'ils veulent les laisser libres. En même temps, eh bien, je me dis, voilà, on a été créé libre, on est libre de choisir, mais c'est vrai que c'est dommage de soi-disant respecter la liberté. On laisse soi-disant les gens choisir, mais en fait, ils ne peuvent pas choisir parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont devant eux. Et donc, cela nous ramène à la pratique du baptême dans l'Église. On sait que depuis les premiers temps, eh bien, quand le père de la famille était baptisé, il entraînait avec lui toute la maisonnée. C'était toute la famille qui était baptisée. Et le baptême, je dirais que c'est un acte de foi. C'est l'acte de foi des parents. J'imagine que quand nos enfants viennent au monde, une attitude naturelle et normale, pour les parents, c'est toujours de les entourer de leur amour, hein, de donner ce qu'ils ont de meilleur à leurs enfants. Et c'est en cela que le baptême, je dirais que c'est peut-être le meilleur cadeau que l'on puisse faire à un être humain. Pourquoi? Eh bien parce que le baptême, c'est le don même de la vie de Dieu. C'est le meilleur cadeau qui puisse exister. C'est faire en sorte que cet enfant, il n'est plus simplement que le fils de monsieur un tel et de madame une telle, mais que cet enfant est surtout enfant de Dieu. On le remet entre les bras et de ce père bienveillant et de ce père aimant. Si Jésus était fils de Dieu et lui-même a été baptisé, il a reçu le baptême, même si c'était un baptême de conversion, mais il a voulu s'inscrire dans cette humanité, dans cette solidarité humaine. Il a voulu être baptisé, mais nous savons que lui est à la tête et que par notre baptême, eh bien, nous devenons des membres de son corps. Voilà. Et notre baptême nous confère cette dignité de fils et de fille de Dieu, qui fait que nous soyons blancs, noirs, jaunes, vert, nous partageons cette parenté divine. Nous avons été créés non seulement à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais nous sommes sauvés par le Christ. Nous devenons en Christ, nous devenons des fils et filles adoptives de Dieu. Au jour du baptême de Jésus, il y a cette voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Eh bien, lorsque nous recevons ce baptême, le baptême fait de nous les disciples de Jésus. Et ça veut dire que notre modèle, tout simplement, l'exemple qu'il nous faut suivre et auquel il nous faut nous identifier, eh bien, c'est le Christ qui accueille, qui partage, qui pardonne, qui aime, qui relève. C'est le Christ qui, tout simplement, se met en relation de communion intime avec sa chair. Et donc, par notre baptême, eh bien, nous devenons nous-mêmes comme le Christ, appelés à être comme lui, des fils et des filles bien-aimées du Père. Alors je dirais que c'est un défi, c'est un challenge que celui de relever cette dignité de fils et de fille de Dieu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'on vit dans un monde
C'est donc un jour de fête, un jour de joie pour nos familles, mais c'est aussi, j'allais dire, un engagement de notre part. D'abord de vous qui êtes les parents, puisque la première école de la vie, c'est bien dans la famille. Et l'on sait, encore une fois, combien les fondations, elles sont fragiles. Nous savons combien il est difficile parfois pour les enfants, eh bien, de se développer et de s'épanouir. Quand les fondations sont fragiles, on a souvent des carences dans le comportement de nos enfants qui est parfois très difficile à combler par la suite. Pour redire une fois de plus que la première école de la vie, c'est dans la maison. C'est dans la maison qu'on apprend à vivre, à partager, à pardonner, à se respecter, à s'aimer. C'est bien dans la famille que toutes ces valeurs, elles sont véhiculées. C'est redire encore une fois aujourd'hui combien la vie de famille, elle est importante. Elle est importante pour le développement de nos enfants. Pourquoi ? Eh bien parce que ça coule de source. Les premiers témoignages de vie, eh bien c'est le milieu ambiant. C'est là où nos enfants grandissent, c'est là où ils vont puiser finalement leur reconnaissance et que tout cela leur servira par la suite eh bien, à se développer. Redire encore une fois l'importance que nos familles doivent être ces lieux, ces havres de paix. Dans nos familles, on doit apprendre à vivre, mais aussi dans nos familles, on doit apprendre à prier. Saint Jean-Paul II disait, à propos de la famille, qu'une famille qui prie est une famille qui vit, et une famille qui vit est une famille qui prie. Puissions-nous en ce jour, frères et sœurs, en faisant baptiser nos enfants, nous redire non seulement que c'est un jour de fête, de joie, mais nous redire aussi notre responsabilité de parents, de parrains et de marraines à être ces témoins de la foi et à aider nos enfants qui ne sont pas en mesure de le comprendre, à aider à comprendre ce baptême qu'ils reçoivent en ce jour. Ce baptême qui fait d'eux les enfants de Dieu, les disciples du Christ pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
fils en le ressuscitant de la terre de Pâques, et de cette vie nouvelle que tu veux donner à ces enfants que tu aimes. Que ces enfants aient la vie pour être créateurs comme toi, Père, et qu'ils travailleront pour le monde toujours plus beau. Que ces enfants aient la vie pour vivre avec tous l'amour qui vient de ton esprit. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette eau qui donne la vie. Amen.